Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce journal en version française sur TV Plus Madagascar en ce 8 mars, journée dédiée aux femmes. Bonsoir à toutes, je vous invite à suivre notre journal jusqu'à son terme. Mais avant cela, je vous propose de suivre nos titres. Yael Radjoun, première dame de Madagascar et ambassadrice de la lutte contre la violence basée sur le genre, a appelé haut et fort à une mobilisation de toutes les hiérarchies sociales et des autorités concernées pour punir sans état d'âme les violeurs d'enfants en ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes à Thomas. La fillette de 6 ans, non seulement victime de viol, mais aussi ayant subi diverses violences physiques commises par son violeur, commence à se rétablir physiquement. Tous les examens, les analyses et l'opération chirurgicale par lesquelles elle a dû passer ont tous pu être réalisés sans problème, selon le rapport de sa mère. L'Inde n'a commencé à célébrer la Journée mondiale des droits des femmes que depuis quelques années seulement. Pourtant, de nombreuses citoyennes indiennes prennent part au développement du pays, affirme l'ambassadeur de l'Inde résidant à Madagascar. De nombreuses femmes malgaches brillent sur la scène internationale dans le domaine du basketball. Madagascar dispose déjà d'un arbitre international de football pouvant arbitrer les matchs internationaux. De nombreuses joueuses qui ont remporté des médailles d'or sur la scène internationale et d'une entraîneuse qui dirige l'équipe nationale malgache pour des matchs au niveau international. Yael Radjoun, première dame de Madagascar et ambassadrice de la lutte contre la violence basée sur le genre, a appelé haut et fort à une mobilisation de toutes les hiérarchies sociales et des autorités concernées pour punir sans état d'âme les violeurs d'enfants en ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes à Thomasne. Parce que le viol est un bafouement des droits de l'homme et une abomination envers l'humanité, selon la mère de la nation. Elle condamne fermement le viol et les actes inhumains sur les enfants. Elle n'a pas hésité à réitérer devant le pays sa vive volonté à continuer ses actions pour combattre le viol et la violence. Ftiavnadoni, Yves Rassata. Rien ne pourrait justifier le viol d'un enfant. Je demande à toutes les autorités compétentes d'appliquer la loi et de punir sévèrement les violeurs et ceux qui font subir des atrocités à des enfants, a ordonné Yael Radjoun, première dame de Madagascar et non moins ambassadrice de la lutte contre la violence basée sur le genre, ce jour à Thomasne. Un discours tant attendu et encourageant pour les femmes, les hommes et surtout pour les enfants malgaches face à la recrudescence des viols sur les mineurs à Madagascar. Le viol constitue un bafouement des droits de l'homme et une abomination envers l'humanité, selon la mère de la nation. Violer un enfant revient à détruire son rêve d'un avenir brillant, selon ses dires. Ainsi, Yael Radjoun condamne le viol, un véritable acte inhumain que subissent les victimes du viol. Elle a réussi à sensibiliser les milliers de personnes présentes sur la place de Miami en clamant haut et fort, en chœur avec ces dernières, la condamnation du viol, la condamnation de la violence et la condamnation des actes inhumains. Et elle a plaidé pour la cause des victimes du viol dans une mobilisation massive pour la lutte contre le viol. Je me mets debout aujourd'hui pour porter la voix de ces enfants qui n'ont pas pu se défendre face à leurs agresseurs et de ces jeunes qui ont dû se taire face aux menaces de leurs tortionnaires, selon l'ambassadrice de la lutte contre la violence. Malheureusement, le violeur fait souvent partie de l'entourage, ou pire, de la famille, de la victime. Le plus souvent, ce sont les oncles, les beaux-pères, voire même les pères biologiques, qui font subir des atrocités à l'enfant. Elle en appelle donc aux parents, à la société civile, aux éducateurs, aux acteurs sociaux,
aux forces de l'ordre, aux juges, aux défenseurs des droits de l'homme et à l'État malagasy à se donner la main dans la lutte contre le viol et la violence. Mial Radzuel n'a pas omis de s'adresser aux parents pour qui ils élèvent leurs petits garçons dans le respect et la valorisation des femmes. Dans son engagement en tant que défenseur des droits fondamentaux de l'homme et des femmes, Mial Radzuel s'adresse aux parents malagasy pour qu'ils s'affranchissent de certains types de pratiques, notamment celles qui consistent à contraindre les jeunes filles à abandonner l'école. Elle s'est également montrée intraitable en ce qui concerne la santé et le bien-être des enfants malagasy. La marraine de la vaccination a diffusé un large message pour la vaccination des enfants malagasy en cette journée internationale des droits des femmes. Mieux vaut prévenir par la vaccination que guérir, selon son allocation. Cette année, 15 000 femmes venant des 24 régions se sont rassemblées à Touamassin pour la journée du 8 mars. Badang sera la province hôte de la célébration du 8 mars pour l'année 2025. La fillette de 6 ans, non seulement victime de viol, mais aussi ayant subi les diverses violences physiques commises par son violeur, commence à se rétablir physiquement. Tous les examens, les analyses et l'opération chirurgicale par lesquelles elle a dû passer ont tous pu être réalisés sans problème, selon le rapport de sa mère. Malgré l'amélioration de son état, elle reste encore sous surveillance à l'hôpital à Géra. L'État prend en charge toutes les dépenses liées aux soins de la fillette, a ajouté sa mère. Cette dernière a déclaré que ni elle ni ses proches n'ont demandé aucune aide financière ni soutien via les réseaux sociaux, vu qu'ils ne savent même pas ce qu'est Facebook. Angela Larsou, Eric Renefsan. Toutes les prises en charge, aussi bien sur le plan physique que psychologique, de la fillette de 6 ans, victime de viols et d'autres violences, survenues à Imer Mandrous ou à Imer Tiantousk, ont pu être assurées sans difficulté, selon le rapport de sa mère ce jour. Les examens des dégâts physiques occasionnés par l'acte de viol suivi de l'opération chirurgicale ont déjà été réalisés actuellement. L'enfant commence à retrouver le sourire et la bonne humeur. Les blessures externes dues aux coups de poing, aux griffures et aux morsures infligées par le violeur commencent également à cicatriser. Mais malgré cette évolution positive de son état physique, elle reste toujours sous surveillance à l'hôpital à Chiera. L'État prend en charge toutes les dépenses pour son rétablissement, a rapporté sa mère. Elle a également tenu à déclarer que ni ses proches, ni elle-même n'ont réclamé aucune aide via les réseaux sociaux. Ils ignorent même comment fonctionne Facebook et n'en sont pas des abonnés, sont toujours la mère de la victime. Ainsi, tout appel à la solidarité et toute autre demande d'aide financière lancée sur les réseaux sociaux en leur nom ne peuvent être que des actes d'escroquerie. Par ailleurs, les proches de l'enfant affirment que le fait de savoir que le violeur sera emprisonné à vie et qu'il subira une castration chirurgicale les réconforte un peu. Ce genre d'individu ne devrait plus jamais être remis en liberté, a ajouté la mère de la fillette. L'Association des musulmans pour le progrès a rendu visite à la petite ce jour, apportant des aides pour la famille. L'Inde n'a commencé à célébrer la Journée mondiale des droits des femmes que depuis quelques années seulement. Pourtant, de nombreuses citoyennes indiennes prennent part au développement du pays, affirme l'ambassadeur de l'Inde résidant à Madagascar. Il encourage également les femmes malagasy à faire preuve de courage et à assumer leurs responsabilités en matière de développement du pays pour qu'elles n'aient rien à envier aux femmes des autres pays. L'ambassade de l'Inde à Madagascar a célébré le 7 mars la Journée internationale des droits des femmes. Gracia Anjatitouirn, Eric Ranefsan. Après que le gouvernement indien ait approuvé la célébration de la Journée mondiale des droits des femmes, il y a quelques années de cela, le nombre de femmes qui se sont dressées pour assumer leurs responsabilités en matière de développement du pays n'a cessé d'augmenter. Aujourd'hui, environ 46% des parlementaires sont des femmes, 15% des pilotes sont des femmes et 25% des scientifiques impliqués dans les programmes spatiaux sont des femmes en Inde. Cela devrait encourager les femmes malagasy et les exhorter à prendre leurs responsabilités, a déclaré l'ambassadeur de l'Inde résidant à Madagascar. 46% of elected members
et 46% des membres élus des organes de gouvernance locale en Inde sont des femmes. Plus de 15% des licornes en Inde ont au moins une femme comme fondatrice. Et 43% des diplômés en STEM, en sciences, technologie, ingénierie, mathématiques. 80% des infirmières, 25% des scientifiques de l'espace et environ 15% des pilotes en Inde sont des femmes. Les femmes scientifiques indiennes, comme le docteur Tessie Thomas et Ritu Karidal, ont contribué de manière significative au succès des programmes indiens de recherche sur les missiles et l'espace. L'Inde a célébré la Journée mondiale des droits des femmes le 7 mars. Pour sa part, l'ambassade de l'Inde à Madagascar a également marqué cet événement à Tsaralalan, en Antananarivo. La culture indienne y a été mise à l'honneur à travers des danses et des chants. Femmes, membres d'associations ou non, ont participé à la manifestation entrant dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, ce jour dans la commune d'Amudmang, dans le district de Mahantsecha, dans la région d'Abatsu. Le vice-président du Sénat chargé du Triangle du Nord a présidé l'événement de ce jour tenu dans cette commune d'Amudmang, Zura Barzan. Amudmang a fait partie des communes de la région d'Abatsu, où le président de la République a obtenu le plus de voix lors de la dernière présidentielle. Le président Andrzej y a remporté plus de 72% des voix de la population, une des raisons pour lesquelles le vice-président du Sénat en charge du Triangle du Nord, Eric Bessou, a choisi cette commune pour y tenir la célébration de la Journée internationale des droits des femmes à l'occasion de ce 8 mars 2024. La manifestation de ce jour a vu la participation de 15 000 femmes, membre de 117 associations de femmes sur place, ou non. Lors de la campagne électorale, dans le cadre de la dernière élection présidentielle, le vice-président du Sénat chargé du Triangle du Nord avait promis d'offrir une décortiqueuse de riz à la population d'Amudmang pour leur faciliter la vie lors de la période des récoltes. Il a tenu sa promesse et a remis à la population la machine ce jour. Comme la commune d'Amudmang est également localité productrice de vanille dans la région d'Abatsu, le vice-président du Sénat chargé du Triangle du Nord a également assuré que le prix de la vanille sera révisé cette année. De leur côté, les associations de femmes ont réaffirmé leur soutien au vice-président du Sénat en charge du Triangle du Nord en ce qui concerne le développement de la commune et même pour le développement de la région d'Abatsu. 10 zébus ont été abattus à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes ce jour dans le district de Mahantsecha, dans la région d'Ambatsu. De nombreuses femmes malgaches y brillent sur la scène internationale dans le domaine du basketball. Madagascar dispose déjà d'un arbitre international de football pouvant arbitrer des matchs internationaux. De nombreuses joueuses qui ont remporté des médailles d'or sur la scène internationale et d'une entraîneuse qui dirige l'équipe nationale malgache pour des matchs au niveau international. Pratiqué par les femmes avec persévérance, le sport peut mener très loin, pouvant même conduire à leur professionnalisation. Le sport peut également constituer une balise en matière d'éducation des jeunes, selon ces professionnels du sport. Mamtina Andemloul et Arfi Drakoutmanal. Les femmes classées comme professionnelles dans le domaine du basketball ont fait leur entrée dans cet univers dès leur plus jeune âge. Parmi ces femmes professionnelles figure la coach Priska qui a fait ses débuts dans la catégorie minime dans le domaine du basketball et qui est actuellement entraîneuse de l'équipe nationale féminine des Inkwai. Elle a de nombreux palmarès à son compte. Plusieurs fois médaillée d'or en tant que membre de l'équipe nationale de basketball, elle a participé à plusieurs Jeux des îles, aux Jeux de la francophonie et même à des matchs comptant pour le championnat d'Afrique. Le basketball est un moyen d'éducation complet, a-t-elle souligné. Discipline, échange, solidarité et persévérance sont les valeurs véhiculées par ce sport. Ainsi, c'est grâce à tout cela que coach Priska a pu arriver à ce stade actuel de son parcours. Elle a également souligné qu'un des avantages du sport, notamment le basketball,
c'est qu'il peut être une balise pour les adolescents, raison pour laquelle elle incite les jeunes à s'initier à ce sport. L'arbitre international Joanie, qui est une autre grande figure dans le domaine du basketball, elle a fait ses débuts en 2014 en tant qu'arbitre, mais s'est très vite fait une place sur la scène internationale avec les formations et concours auxquels elle a participé au cours de ces dernières années. Elle est actuellement la seule femme arbitre à pouvoir arbitrer des matchs internationaux. C'est grâce au sport qu'elle a pu voyager à travers le monde, selon Joanie. Ainsi, pratiquer avec persévérance le sport peut emmener très loin dans le domaine professionnel. Elle exhorte donc les jeunes à aimer le sport et à en faire une profession, car à Madagascar, il y a encore très peu de sportifs professionnels féminins. Point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 19h30 pour la version Malagasy du journal de TV Plus Madagascar en compagnie de mon collègue Mekirandji Mboula sur Sceaux. Je vous donne rendez-vous. À tout à l'heure.